tout le monde. Après avoir vécu la même chanson dans ma peau, puis dans la peau du batteur, aujourd'hui on attaque un autre poste, redoutable celui-là puisque c'est dans la peau de la chanteuse que je vous emmène. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à tous ces gens? Qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on est ému? Est-ce qu'on doute? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui à travers le regard d'Aurélie Laurence, la chanteuse de l'affaire Capucine. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. J'ai le trac. C'est la dernière chanson. Et en plus, c'est Franck qui l'a écrite. Donc faut pas que je me loupe. Vous qui vivez chez moi, sur mon île, sachez que j'étais là, dans cette ville. Bordel, qu'elle est aiguë cette chanson. Parcourant les... C'est bon, c'est passé, ça va. Descendant dans les ruelles, les souvenirs pastels de mes plus belles années. Comme le début est passé, tout le reste passera. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter. Un jour, j'ai dormi là. Ouais, profite, parce qu'en plus c'est la dernière chanson. Les fantômes de mon passé. Et ça va passer très très vite. Comme moi, cette vieille porte bleue qui donne sur le marché, c'est une enfance qui s'est vendue. C'est mortel quand tout le monde arrive. J'ai un tapis musical derrière moi qui fait que il peut rien m'arriver. J'avais jamais vu en 10 ans. Je ne suis... Il y a des bonnes ondes dans cette salle. Tout ce temps, devant moi, derrière moi, je suis super bien entourée là. Dormir dans d'autres murs, devenir étrangère, est-ce que je le pouvais? Je n'en étais... Et mais en fait, il y a ma mamie et ma maman dans la salle. Elles vont entendre cette chanson. Vous ne serez pas... J'espère que ça va les toucher. Ça parle de l'île d'Oléron, alors forcément ça va les toucher. Un jour pour revenir. J'espère. Vous devrez y frapper. Et viendra vous ouvrir l'homme qui d'un simple chèque a soldé le passé. C'est une enfance qui s'est vendue. C'était... Je ressens la basse dans mon corps, ce ça résonne. Sont des vacances. C'est génial. Qui donne au mur. Attention, là, je vais kiffer. Voilà, super, ça s'installe. C'est mon moment préféré. Je crois que je l'ai attendu pendant tout le concert, celui-là. J'ai des trucs à dire en plus. Laisse l'ambiance s'installer. Ils sont beaux, puis ils sont bons en plus. Ah, cette équipe. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que déjà j'ai passé une super soirée avec vous ce soir. Et je voudrais leur dire merci à eux. Contrôle ton émotion. C'était quand même leur nom. Merci à Franck Dunas, à Vincent Sirotte, à Stéphane Rouillet, à Charlie Jacquet, à Antoine Moulin. N'en oublie aucun, Aurélie, surtout. Damien Jameau, Armand Péribusek et sa chorale. Et Romain Lévesque. Tu l'as frôlé la bafouille là, hein. C'est passé tout juste. Je voudrais les remercier parce que, en fait, avant. Allez, reprends ton souffle, calme-toi, dis ce que t'as à dire. Mon corps était comme figé sur scène, comme si mon corps était sa propre cage. Et un jour, je les ai rencontrés. Là, je suis dans un état d'euphorie. Ils sont arrivés avec pile. J'ai envie de sourire, j'ai envie de rire. Me libérer. Je suis bien. Depuis, ma cage est ouverte, mes papillons dans le ventre s'envolent. Et je sens que ça monte derrière moi, en plus, musicalement. Avec vous, qui vivez chez moi. Le public de l'affaire Capucine est ouf chez quand même. Moi, c'est ici et maintenant, et c'est dans ce temps suspendu que je me mets à mort. Ouais. Alors je souhaite une excellente soirée, des sourires en pagaille, et n'oubliez pas de rêver. Bordel, comment je kiffe ce moment. Je me dis, mais c'est dingue, c'est beau, c'est bien, c'est... Qu'est-ce que je suis bien, quoi.
ok, on est un peu vain sur scène, mais ouais, ça valait le coup. Je suis complètement emmenée dans ce qui se passe. J'entends la chorale. J'ai même plus envie de chanter. J'écoute, je prends, je profite. Je vis le moment. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, je sais qu'en reprenant le chant, je signe la fin du morceau. Ce sont mes vacances. Allez, contrôle tes émotions encore un tout petit peu. Un an de travail, et ça y est, c'est fini. Et c'était chouette.